Tikana prophétiser na vie. Bisika balinda bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien. Bon tout le monde. Tu vas savoir. Que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kosa yo na linye ya batu ba isapa makambo ya tenye wani. Bye.
nation, notre roi, notre Dieu, notre créateur, notre victoire, notre vie. Tu es tout pour nous. Nous nous humilions devant toi. En ce que le vendredi, nous déclarons que tu es incomparable. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le témoignage de ma vie à Bandeko. Pour les témoignages que tu as accomplis dans la vie de chacun de bien-aimés. Toute la gloire revient à toi seul. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Tel que nous continuons ce soir, que ta présence soit avec nous. Et nous jurons de retourner toute la gloire. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Na pesi bino mbote. Je vous pense au bisika vous allez. Je vous salue tous au nom de Jésus là où vous êtes. Et nandimi ke zambe na biso azo pambula bino na nzela ya ba matea oyo denge tozo yamba ba eko ba temonia jizo kuta parsi parla. Et nous sommes convaincus que le Seigneur vous bénit au travers de nos programmes tels que nous apprenons parsi parla. To kotina katia sanza na biso ya examination de soi-même. Nous sommes pleinement dans notre mois d'examination et de tobandi kotala. Et de manière que nous avons commencé de voir à ces sujets, parce que tu commences un gonga moko très critique, parce que nous sommes dans un temps vraiment critique avec tout ce qui se passe. Nous devons nous examiner. Ma version musu totangi derrière lobi sala critique de toi-même. Mi critiquer. D'autres versions nous parlent de l'autocritique. C'est pour dire mi sambisa. Juge-toi toi-même. Aujourd'hui, nous allons encore lire notre verset biblique principal, 2 Corinthiens 13, verset 5, et na kolinga batangilanga gotie version amplified version, parce que na tangiango na méditation nanga na tongo alelo. Yes. Hallelujah. Totangi lisusu version Darby, 2 Corinthiens 13, verset 5, notre texte principal. Chapitre 13, verset 5, version Darby. Merci. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Le lengue mokilezo kende et sengeli bisobana zambe tomi tout ça là est auto-examination, autocritique. Autala chaque jour, est-ce que je suis encore dans la foi? Pourquoi cela? Parce que déjà, la parole de Dieu a déjà prophétisé que dans la fin des jours, beaucoup, leur foi va refroidir. Leur amour pour Dieu va refroidir. À cause de tout ce qui se passe dans nos mondes actuels. Et que ça, là, que Kondima ya Batuebele et Koufa. Yangoye Swalobi, quand je vais venir, trouvera-t-il la foi sur la terre? À cause de ce que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes appelés, nous chrétiens, à nous examiner tous les jours, parce que la parole de Dieu avait déjà prophétisé au refroidissement de la foi et de l'amour de plusieurs. Ce qui est sur l'obéna, Luc 18, 8, que trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire qu'il y a des choses où il y a que salement, où il y a que affecté qu'on dit maya. Jésus savait ces choses, qu'il y aurait des choses qui affecteraient la foi de son peuple. Voilà pourquoi il avait prophétisé. Voilà pourquoi et singeli tout ça la autocritique. Voilà pourquoi nous devons nous autocritiquer. Comme ça mis ça mukoloyos. Tu dois t'auto-juger. Pour sunga yo ya ko songa na nzela. Pour t'aider à revenir sur le droit chemin. Pour te tango akoya. Puisque lorsqu'il viendra, akokuta na yo nanga na état ya malamu. Pour qu'il nous trouve dans un bon état. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Ok. Version Lingala Lelo. C'est 5. De Corinthiens 13, verset 5, Natangi Lingala Lelo. Bomita la binomoko. Bomita la
bino moko sikadi eloko tozo loba awa examination de soi-même muto akosunga yote ni ton pasteur ni personne toi-même toi-même yo moko oyebi denge nini oza oyebi etana yo spirituel mais esengeli omitala etango mitali oyebi ke non naza penza 20% naza kutu 80 ni 90 to yakoloba 100 yo moko kosala nini oko réagir en conséquence. Tu dois t'examiner toi-même et de ces résultats, tu vas agir en conséquence pour revenir dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Tanga, Ningala. Bumita la binomoko. Bola kisa soki bozali na bondimi. Oh yo. Bola kisa soki bozali na bondimi. Aha. Bomoni tete Yesu Kristo azali na kati na bino. Voilà. Sokite bosi bola kisiete bobungi. Sokite bosi bola kisiete ke bobungi. Bungi. Zomuna na sepeli na lingala. Bandela lisus papa. Da bandela verset 5. Bomita la bino moko. Bola kisa soki bozali na bondimi. Bola kisa soki bozali na bondimi. Mezi kufa. Aha. Bomoni tete Yesu Kristo azali na kati na bino. Aha. Sokite bosi bola kisiete bobungi. Obungi. Na sambeli okobunga tena tango ya suka. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Bandeko eza très important. C'est très important, bien aimé. Aussi longtemps que la Bible est lobby, la parole de Dieu est lobby, aussi longtemps que la lobby, c'est aujourd'hui, selon Hébreux 3, verset 13, si je ne me trompe pas, aussi longtemps que la lobby, et Hébreux 3, 13, aujourd'hui, il faut tout ça là, autocritique. Yes. Tomitala, est-ce que nous sommes dans la voie ou bien nous sommes déjà partis? Lingala lobby na lingala, aussi au Bungi. La Bible nous dit dans Hébreux 3, 13 que nous devons, aussi longtemps que nous lisons aujourd'hui, nous consulter pour que nous puissions être dans le bon temps. Alléluia. Amen. Version anglais amplifiée. Merci. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Voilà. Testez et évaluez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Oh yo. Testez. Yoka. Alobiango. Testez et évaluez-vous si vous êtes dans la foi. J'aime ça. Okosa la test. Denge to salaka diplôme d'état okay ba bezio ba. Examen. Voilà, examen. Tu vas t'examiner. Pourquoi la parole de Dieu nous dit cela? Ezapoe sunga biso. Pour nous aider. Tozunga nanzela. À revenir au droit chemin. Pour te bungate. Pour ne pas nous perdre. Parce que elokoyo eza diabolique. Ça c'est diabolique. Et où dit l'enfer? Ça vient de l'enfer. Tina principal. Le but principal. Kuboma kondima na yo. C'est de tuer la foi. Et refroidir kondia e bolingo na yo pour nzambe. Refroidir mon pour Dieu. Et salami na tango ya Daniel. Nangoga et Nebuchadnezzar. Ça s'est passé au temps de Daniel. Et salami na tango ya Shadrach, Meshach et Abednego. Au temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Tanga na et salami bala na mbala. Ça s'est passé na tango ya apôtres et salami. Au temps des apôtres même. On les a interdits. Que ne prêche plus à ces noms. Beauté à Kombowana et Yesuté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et l'opassi kana mokile isate. Yango et singeli. Voilà pourquoi. Tout ça, la autocritique, y a vie na biso. Nous devons nous autocritiquer. Parce que eko sunga yo. Ça nous aidera. Kobongisa. À arranger. Miséricorde. C'est un Dieu miséricordieux. Et on va voir cela aujourd'hui dans 1 Jean chapitre 1. Mais avant que ne t'occupe, version amplifiée. Version anglais amplifiée. Testez et évaluez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Et si vous vivez votre vie comme des chrétiens engagés. Oh, yo. Examinez-vous, pas moi. Ou ne reconnaissez-vous pas à cela, à votre sujet, par une expérience continue, que Jésus-Christ est en vous? Oui. À moins que vous n'échouez effectivement au test,
et que vous ne soyez rejetés comme faux. Oh, machada, badaba, daba. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alobi, testé. Testé. Ça la teste. Teste-toi. Évaluez-vous. Pour voir si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous menez vie avec un chrétien qui est pesant, assidu? Est-ce que engagé? Est-ce que tu mènes ta vie comme un chrétien engagé? Alléluia. Amen. Mutu azate oyo akosala pona yo yonde oyebi est-ce que na niveau na commune na makambo oyo nyonso est-ce que température na nga spirituel ezai consistant ya ko matalikolo ou bien ekiti. Toi seul connais par rapport à ton état d'âme, est-ce que suis-je un chrétien assidu ou suis-je en dehors de la foi? Cité selon Lingala et la Kisike au Bungi. Pour ne pas dire que tu es égaré, rétrogradé. Voilà pourquoi Jésus nous a avertis. La latine aïe sa benda qui biso matoy. Et loko e kokosa e kopesa yon nangae force, confort, consolation à ce moment, c'est sa parole. L'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui nous donnera la force en ces temps difficiles, aussi longtemps que ça aujourd'hui. Aussi longtemps que c'est aujourd'hui. Selon sa parole, Hébreux 3:13. Nous devons nous dire. Le chapitre 1. Alléluia. C'est très important. Ebele nangonga oyo, il n'y a plus de communion fraternelle à Bungi. Ebele konima et koufi. Ebele bolingo pona makamazambe e kenda. Mingi lokola tozo sangana sute na kata mangoma kondima na bango bomo ya losambo e kufa pinza. Yangonde esengeli tusala examination. Yangonde esengeli tomitala biso mongo bise. Voilà. Tomitala biso mongo. Poto yeba état spirituel na biso eza denge ni. Pour que nous connaissions notre état spirituel. Alléluia. Amen. Hébreux 3. Hébreux chapitre 3, verset 13, version Darby. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi long qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Encore. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alléluia. Amen. Alobi, mais exhortez-vous. C'est ça ce que nous faisons maintenant. Exhortez-vous l'un l'autre. Chaque jour. Comment dit? Alobi, combien de jours? Mi colonioso. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Mi colonioso, il y a l'élo, autre lobi, l'élo. Afin qu'aucun d'entre vous ne vous s'endurcit par la séduction du péché, c'est-à-dire ce qui était au monde ozo koba nakati ali babe ozo koba et à la fin c'est la destruction totale, c'est-à-dire zambe ayebi yo ayebi ngai. Dieu nous connaît. Alléluia. Amen. Yango na makomi et komi boye. Voilà pourquoi on a écrit cela dans les écritures. Ezo talisa na ngai ke sengeli tuma na kosala auto examination, autocritique. Vation monsieur na banzi vation alobi sala autocritique, sala critique, critiquer toi-même. Alléluia. Amen. Voilà. Alobi verset 14, car nous sommes devenus les compagnons de Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout les commencements de notre assurance. Ça dit au bandit et l'obiteke au kosuka. Et l'obiteke parce que aux amours en Zambé, les lots, au tikali mon en Zambé, il y a battu les lots, au yoto yebi, azalaka, yokanan, azalaka, yo moni et les lots. Il n'y a plus de traces que oyo. Ayambaki Yesu, azongi rétrogradé.
Il y a des gens qui, que nous connaissons qui étaient assidus dans la chrétienté, qui craignaient Dieu, mais aujourd'hui, à cause de ces confinements, il n'y a plus de traces de chrétienté dans leur vie. J'étais à Cape Town, Afrique du Sud, un jour, comme na zamutu ya sportif, na sakanate na sport, na exercice pour na santé. J'étais à Cape Town, Afrique du Sud, je faisais le sport. Comme tu peux les voir toi-même. Je suis jeune. Nazo s'est rajeuné tous les jours, malgré 55 ans. Nazo s'est encore élevé le quoi à 33 ans. Alléluia. Oui. Na kutanina mundele moko. J'ai rencontré un blanc. Oh ya beti singa mkulwa na to beti beti. On a joué au tennis ensemble. Il connaît que je suis un pasteur. Aibeke nazali pour pas télévoir. Na mikiko évangélisé côté à eh. J'ai essayé de le prêcher aussi en même temps. Aib singa. Il m'a dit ce blanc. J'étais Nazalaka un chrétien. Mon Christo. Dae, Nazana Koral, Naimbaka. Kutu Natango na banego yemba na koral. Yoka diable dengi azwa kabat. Regarde comment le diable séduit les gens. J'ai un enfant de 6 ans. Nazana mwana moko une fille. Y a moi un ange. Avec un ange dans sa parole. Dengi abane loba. Comment mwana innocent. Nenge nini mwana batebili kambute. Akoki kokufa. Peut-elle mourir? Nathalie. Je l'ai regardé. Namekiko explique. Oyebi ke à cause de cela, Satan a utilisé kaka eloko ane comme lié. Atiki voix. Ya Zambe a komi paye à 100%. À cause de l'amour de sa fille, il a abandonné, il est venu rétrograde, il a laissé la foi chrétienne. Moi, je parle la langue. Mais quoi? Il m'a même dit qu'il parlait en langue. Et ngai na discute ka lilo bazambete. Et je discute pas la parole de Dieu lorsque je le vois. Na teyi na fait comprendre que écoute. Je lui ai dit, il est écrit. Et comme ami, Jean 10:10, Jésus a dit clairement. Jésus a dit clairement. C'est le diable qui vient voler, détruire. Et tué. Ça c'est le rose de diable azoyo et azoyo be. Wana mayele mabe a Satan pour t'attraper et il t'a attrapé. Il a réussi son. Azalaka. Il était. Mais à cause d'un événement mon corps. Mais à cause d'un événement il n'est plus chrétien. Et belé na ngonga tuzolo baboye. Plusieurs dans ces temps où nous sommes, ils vivent ça. Yango ezo singa nini? Voilà pourquoi ça nous demande l'examination de soi-même. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 13, oui. Verset 5, version message. Testez-vous pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Est-ce que tu connais ton état d'âme? Et comment tu sais? Tous les jours. Tu les connais comme tu vis ta vie. Parce que vous que vie à boyer et singulité, vie à boyer et singulité. C'est toi-même. Parce que tu connais comment un vrai chrétien doit mener sa vie. Et c'est différent de ce que tu vis. Personne ne le fera à ta place. Ça, c'est responsabilité personnelle. Et c'est très important pour les gens qui s'habitent dans Zéla. C'est important pour nous qui dans Zéla. Parce que nous avons un Dieu de miséricorde. Nous avons un Dieu de miséricorde. Alimbi Sakabana. Il est passé par tout ce que nous vivons. Jésus connaît comment ça se passe. Alléluia. Amen. Testez-vous pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Ne dérivez pas en prenant tout pour acquis. Faites des contrôles réguliers. Faites des contrôles régulièrement, ça la contrôle. Contrôle à Nini. Vie na yo. Le contrôle de ta vie. Est-ce que vie na zo mené yo et bongi mon anzambe. Est-ce que la vie que je mène ressemble à un enfant de Dieu vraiment? Via masanga, via débauche. La vie de la débauche, la vie de la boisson. Alléluia. Nani akosala auto examination yo moko. Qui fera cette auto examination? Bande la place wana na sepeli, bande la passion, banda na ibane. Vous assurez que vous êtes solide dans la foi. Ne dérivez pas en prenant tout pour acquis. Et faites des contrôles réguliers. Faites des contrôles réguliers.
Vous avez besoin de preuves de première main, pas de simples prétendus que Jésus-Christ est en vous. Testez-les. Si vous échouez au test, faites quelque chose. Oh, maman, quel conseil! Papa, au Kobande, la ligne batu bayo kaba similiango. Alobi, faites quelque chose. Est-ce que Alobi, pasteur, n'a pas ça pour n'ayo? Est-ce que non, toi-même? Yes. Faites quelque chose. Ça là quand même logo moko kotika la bongote. Kotika la bongote. Amen. Zonga sima. Reviens en arrière. Beta 6. Tourne-toi. Voilà. Faites quelque chose. Pourquoi cette parole est venue à ce moment? Nangongoyo. Parce que retour, disons, hein, calamité. Maintenant, c'est le déconfinement total. Talangonga wana, plus de communion, plus de fraternité. Toujours kutana les sociétés et affecté battu et belé. 4 mois où nous n'étions pas ensemble, il n'y avait pas de communion fraternelle, cela a affecté la vie spirituelle. Na vandi parfois Nathalie statue ya bana nzambe Nathalie patumususu na elateli na magamuyo nabi. Ah oyo boye. C'est pas normal. J'ai regardé la vie des plus d'enfants de Dieu que je connais sur l'internet, sur les réseaux sociaux, c'est pitoyable. Na banzi ebele menon baye ko sosola. L'importance, il y a communion fraternelle. Amen. C'est maintenant que je crois que plusieurs comprennent. Tina, il y a des gens qui ont fait ça. Et puis, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Oui. Il y a des gens qui ont fait ça. Beaucoup ont envie de répondre avec les activités cultuelles. Ils pensent même que c'est moi qui empêche. Non. Pendant que ce n'est pas moi. Pourquoi? Vie spirituelle et quitte parce qu'il n'y a plus de communion fraternelle. Avant, il ne savait pas l'importance de la communion. Dieu est juste. Alobi, kozangate na rassemblement ya bana zambe. Dieu savait ces choses, voilà pourquoi il avait dit ne manquez pas au renseignement des chrétiens. Et depuis tout le temps, même dans la Bible, aux hommes la question qui Satan a télémi, a télémaka contre le Kouana, parce qu'il a mis qu'il a force. Amen. Même dans la parole de Dieu de l'Ancien Testament, le diable s'est levé contre le renseignement des enfants de Dieu. Et ce n'est pas encore fini. Et s'il est peine à noter, je vous dis prophétiquement, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore fini. Non, le silité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous recommençons 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Version anglais message. Testez-vous pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Testez-vous pour vous assurer que vous êtes solide. Pour vous assurer que vous êtes solide. Il faut ça la nuit. Test. Examination. Critique. Parce que c'est malobi. Faites donc vous-même votre propre critique. So, il faut me critiquer. Tu dois te critiquer toi-même. Oh, me critiquer d'ingéni. Comment te critiquer toi-même? Ah. Sœur. Est-ce que vie n'a zone menée au. Ah, est-ce que la vie que je mène là. Ça va avec le Christ ou bien ça ne va pas? Est-ce que tout le temps n'a pas eu ça? Tout le temps n'a pas eu ça? Est-ce que Yeshua t'a donné un latibou? Voilà. Parce qu'il y a des modèles Naviso. Parce que c'est lui notre modèle. Est-ce qu'il a commis retrouver la place? Est-ce qu'il a collé ta boy? Est-ce qu'il a commis la boy? Est-ce qu'il a collé ça la boy? Ozo ça la autocritique. Pour y bas ceux qui osana non ou bien aussi au bungi complètement. Pour savoir si tu es encore chrétien ou bien si tu es déjà perdu. Et na sepeni na suka tozo monango alobi. Faites quelque chose. Si c'est comme ça, faites. Quelque chose. C'est comme si que j'arrêtais la fornication. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Amen. Ok, continuez. Ne dérivez pas en prenant tout pour acquis. Faites des contrôles réguliers. Oh, faites des contrôles réguliers.
Vous avez besoin de preuves de première main. Vous avez besoin de preuves de première main. Pas de simples prétendus. Que Jésus-Christ est en vous. Est en vous. Testez-les. Testez. Si vous échouez au test, faites quelque chose. Si vous échouez au test toi-même, faites quelque chose. Aux ensembles, ajoutez, zongez la vie après. Réponds pas de communion, zongez la vie à communion. Amen. Réponds à communion avec la parole de Dieu. Et le coup, Batmoussou est affecté, Bango, postime Batmoussou négativement. Ce temps de confinement a affecté d'autres, a augmenté la vie spirituelle. Surtout, Oyo Bazana, vie de communauté dans l'air privé, yé kaka, vie de communauté, ils attendent, Bayé na cute, neti na film, mercredi, vendredi, dimanche. Après cela, et c'est lui. Asimba kaka, Bible, parole, ayo kaka, parole, mercredi, vendredi et dimanche. Après ça, et c'est lui. Vie de communion, vie de prière, zéro. Mais pour d'autres personnes qui simplement viennent à l'église pour prier, leur vie de prière a été fortement affectée. Yango Yesu a averti, Zakibiso a lobi, Moutou a ko vivre seulement te nanzele a mapa. Amen. Be nanzele a parole yonso. Et Wouti Ipaya Zambé. Voilà pourquoi Jésus avait prophétisé en disant que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quelque chose. Faites quelque chose. Alléluia. Amen. Parole prophétique, Oyo Ngonga Oyonde Ezoko Kisama. La parole prophétique de ce mois s'accomplit en ces temps-ci. Parce que, alobi, quand je serai de retour, tant qu'on a besoin de mon kili, trouvera-t-il la foi? Est-ce que nous avons coupé pendant qu'on dit na katcha mon kili sur la terre? Na katcha mon kili. Bien dit, avec précision. Alobi, on pense à malamo. Pourquoi cela? Bonne année, parce que il y aura des événements kili kili. Parce que makambo koya ya ndenge na koya tellement que lobi me na lembi baye boye boye ebele qui vont te pousser à dire que je ne veux plus être chrétien, je veux plus. Oh nanzela lilobatoko ki komi consolé. Pendant que par la parole de Dieu nous pouvons retrouver la force. Toko ki kozwa force. Nous pouvons retrouver la force. Parce que lobi c'est lui qui va persévérer jusqu'à amen à la fin. Yes. Sera sauvé, c'est-à-dire il y a des choses et qu'il y a, amen. Et il faut tout affronter, mais il faut tout persévérer. Natei mona nangana, alobi papa parole oyo et consoler ngai, alobi oh yozo kaza Yesu azolo papa mba, mais aye biloko oyo ke koya, asia moni yango, asia sakoli yango ke biloko yozo oyo koya. Jésus connaissait toutes ces choses, voilà pourquoi il a prophétisé dans l'Apocalypse que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il savait ces choses, voilà pourquoi nous devons continuer à persévérer. J'avais dit ça. Il y aura des contrôles. Kili kili. Ma contrôle est comme Maïbele. Oyo Satan a côté les missiles. Que le diable dans va ces derniers temps. Natango Yasuka. Et Batu Oyo Bakozala affecté Bingi. Zabatu Oyo Bandimeli Yesu Masi. Et ceux qui seront visés directement sont les chrétiens. Parce que Zabitumba entre ténèbres et la lumière. Parce que la conclusion est que c'est un combat entre les ténèbres et la lumière. Amen. Et comme ami, que ceux qui sont nés de Dieu sont victorieux du monde. Alléluia. Amen. Sous bien-aimé, cette version a tout dit. Cette version message. Osana des fois. Nazana devoir. Nous avons un devoir. Au vanda. De nous asseoir. Au vandi, au sali. Critique toi-même. Votre propre critique. Tu t'assois sur une chaise et tu commences à te critiquer. Tu te mets devant toi-même. Examination. Tu commences à t'examiner toi-même. Et au moni, tu communiques que tu n'es plus dans la voie. Faites quelque chose. Si tu trouves après l'examen de soi-même que tu n'es plus dans la foi, ça l'est loko moko potozo ngana kondima. Alléluia. Amen. Totangi. Lisons. Matthieu. 4:4. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Banda apatia verset 1, tina 4. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er. Oui. Version Darby. Oui. Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'esprit pour être tenté par le diable. Verset 2. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Verset 3.
Et le tentateur, s'approchant de lui, dit : Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Verset 4. Mais lui répondant, dit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? Alléluia. Alléluia. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ngonga yango oyo osara rapprocher à la parole de Dieu. Parce que yangonde force na yo, yangonde force na ngai. Yesu alobi nini? Mes paroles. Maloba na ngai. Sont esprit. Et zamolimo. Et vie. Pe bomoy. Esprit. Molimo. Vie. Bomoy. Et c'est l'esprit qui vivifie. Molimo ne pesa ka makasi. La chair profite de rien. Nzoto sala ke loko. Ozo leisa nzoto. Mais wana ezo sala le côté. O leisa nde esprit parce que yo moko osa esprit. Nourri, non pas seulement ton corps, mais ton esprit, parce que tu es un esprit. Le quoi la molimo? Nourriture na yo. Bilay na yo. Yamutuya d'abord. Le plus important. Ezanini. C'est la parole. Esprit. Yes. Qui est la parole? Où est la molimo? Il faut laisser yango. Tu dois nourrir ton esprit. Sinon esprit est kokufa. Sinon ton esprit mourra. Beaucoup aujourd'hui na minute otozolo ba kosia démon yo ba 10 ans koro. Beaucoup de gens, à cause de cette épidémie, de cette pandémie, bazana zala. Ils ont très 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 faim. Ils ont maladie spirituellement. Ils ont le kwashoko spirituel. Celui qui est né de Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit. Il est esprit. La nourriture, c'est sa parole. Amen. Communion, nager dans la parole. Tel que tu te nourris de la parole, ça t'aidera à te maintenir. Tout ça bat. Nous sommes humains, bien-aimés. Yangualobi, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, par le foufou. C'est pour cela. Chikwang. Mutakobi kagana kwanga. Kwanga te. Dégivation lingala lobi. Telle que la version lingala makanzale. Mais pas toute parole. Menali qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4 version anglais facile. Merci. Jésus lui répondit : Les Écritures disent : Ce n'est pas seulement le pain qui garde les gens en vie. Ce n'est pas seulement. Wow. Wow. Oh yo, ce n'est pas seulement le pain qui garde les gens en vie. Oh wow. Mon Dieu, masoko poria mahaya. Yes. So c'est quoi alors? Leur vie dépend de ce que Dieu dit. Bandela. Jésus lui répondit : Les Écritures disent. Les Écritures disent. Ce n'est pas seulement le pain qui garde les gens en vie. Ah. Leur vie dépend de ce que Dieu dit. Leur vie dépend de ce que Dieu a lobby. Voilà pourquoi. Dans la Tina, moko ya solution na tango yo. L'une des solutions ces temps-ci est kozala en communion. D'être en communion dans sa parole permanente. C'est ça qui va te consoler, vivifier et passer aux forces aux zongis. Pourquoi communion dans la parole? C'est pour agir en conséquence. Et dès que vous agissez en conséquence, tu deviens fort. Moi, okita, moi, koufate spirituellement. Ta vie chrétienne ne mourra pas. Voilà. Parce que sa parole est esprit. Et toi et moi, nous sommes des esprits. Et c'est l'esprit qui vivifie. Pas le pain, pas le chikwang. Et d'accord, on a exactement extérieur, corps physique, mais il y a mon limo,
eza supérieur yango nde ezo dominer eza nde liloba Yesu alobi mes paroles sont esprit et vie. Jésus Christ a dit maloba nanga eza molimo pe eza bomoi. Omoni batu ya molimo sutu ya batu ya misu misatu wana ndeke bakutani na yo atanki kretien bayebi soki oza na moto ou bien oza na moto te. Les hommes spirituels, surtout ceux qui sont de l'autre côté, ils savent reconnaître si tu es dans la chrétienté ou pas. Yo moko yebi dengi ba koko na miso dengi ba na na ba na ba na ba village dengi to ba lambaka na ba na ba koni na ba nzete omoni keso ki moto ezo kufa ba bakisi koni. Yes. C'est comme ça. Dengi moko vie spirituelle moto ya molimo ekufa kaso kezo bakisa koni te. Koni ya molimo eza liloba ya Nzambe. J'aimerais donner une référence comme dans nos villages, lorsque le feu commence à s'éteindre, nos vieillards prenaient d'autres bois pour ajouter dans le feu. Ainsi, si tu n'ajoutes pas de bois dans ta vie chrétienne, ces gens spirituels du côté négatif peuvent voir ton feu spirituel. C'est pas une blague, c'est pas seulement un chantage. Non, ce qui est pété, ce qui est pété, ce qui est pété, ce qui est pété, col pastoral avec ral nyoso ce qui moto ezate bakolo bango bazo monake oyo azana moto lisusu te ba monaka bayebaka. Yes, les démons les gens qui sont dans l'occultisme peuvent reconnaître ceux qui sont dans le feu de Dieu. Olekibo ya moni tu passes comme à ça sentir. Il voit ton feu, il sent ton feu. Et moto wana utra api et ce feu là vient d'où? Na zela parole de la parole de Dieu. Je vais faire devenir mes paroles dans ta bouche du feu. Et il va les consommer. Voilà. La musique, la communion, la prière tous les jours. Le temps est là où nous ne devons plus être loin de la parole de Dieu et de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tanga. Matthieu 4, verset 4, Lingala Bakani. Yesu ajongisi ete ekomami ete moto akobika bobele na kwanga te. Oyoki ekomami ete moto akobika bobele na kwanga te. Nde na maloba yonso makobimaka na monoko ya njambe. Na malaba yonso ya kubimaka na monoko ya jambe nde mutu ako bika na kwanga Solomon che l'homme wana oyebi ko dame kwanga ozoki olea kwanga te nzoto na eza kimia te me kwanga ya molimo ozoli yango te. Tu aimes Ozo beaucoup te nourrir de la chikwanga physique mais tu n'es pas te nourrir de la chikwanga spirituelle. Alobi salani faites quelque chose. Ngaite na lobizambe alobisala nini? Faites quelque chose. Toujours loba sur l'examination de soi-même. Il faut ça la contrôle régulier. Alobi faut ça la test ya tango nyonso pomiyeba. Ata soki uza penza na molimo santu na kati na okoyoka temps en temps. Akoyita ndeko sœur frère. Obike mkoloyo osambe la kalisusu te. Ta la vie de prière nayo. Alobaka oza la nani, oza la pastoral, oza la nani, popéral. Ce qui oza mwana nzambe, akolobe la yoke, c'est juste ici, osambe la kalisusté. C'est juste ici, plus de communion. Le Saint-Esprit nous parle des fois, il nous tire les oreilles en disant que Mikolo, osambe la soudé. Union so wana, eza kwa benda, attention na yo, pour ça là, quelque chose, faites quelque chose. Tout ça pour attirer ton attention à faire quelque chose. Version parole de vie, papa. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus lui répondant, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le pain ne suffit pas. Celui-ci a besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le pain ne suffit pas de quoi? Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Le pain ne suffit pas à
à faire vivre l'homme. Yes. Le pain est c'est clair. Et ça pour les si c'est comme ça, bah, tu as bongo et belé, ou bazana bongo, azana confort, azana. Ce que tu dis aux autres, bah, confort, c'est selon toi. Azana yon, azana château, azana moto, azana avion. Bah, on va obéir à tes bakoufates. Si c'est le cas, malgré l'air djal, baza trop maladif que le kakoutou batu, bazana ngote. Pour un nini, bah, biloko wana, ça suffit pas. Les choses de ce monde ne suffisent pas pour maintenir l'homme. Ça suffit. Et que bongo bato a bongo ba kosomba santé ba obela te. Si c'était le cas, les gens qui ont beaucoup d'argent ne mourraient pas. Amen. Alléluia. Amen. Yango alubi, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, par toutes ces choses matérielles. Non, c'est bon, oui, mais c'est pas ça. L'homme a trois parties: esprit, âme et corps. Motozambi teni misato molimo nzoto pe molema. Écoute-moi. Yokanga. Beaucoup, mingi. Tala, ils ont un tableau de bois ici. C'est comme na, si que je prenne un tableau ici. Tableau noir. Esprit, molimo, nakati âme. Au milieu il y a l'âme. Awa corps. Et au début c'est le corps. Numéro un to chaka. Makasi concentration na biso. Naba na zambebele. Ezaya suka corps. Plusieurs d'entre nous nous concentrons sur le corps. Omoni, corps. Le corps, nzoto, musuni. Osundoli esprit. Nous abandonnons l'âme et l'esprit. Kaka corps. Mais nous nous concentrons sur le corps. O leisie. Tu les nourris, déjeuner. O sukolie. Tu les laves. O lamuki, o latisie. Yonso. Tu l'habilles. Awa négligé esprit. Tu négliges ton esprit. Âme négligé. Tu négliges ton âme. Kaka corps. Tina manzaka. Tu mets des manicures. Au décoré. Tu peux. Tina zolo. Tina misu. Make-up. Tina le lemon. Rouge à lèvres. Tout. Au pessier ma fouta. Tu lui donnes même le lait de beauté. Mais. Esprit. Ton esprit. Nano la diété. Tu l'as pas. Nano l'anxiété. Tu l'as pas make-upé. Tout mon problème. Nazo fait comme. Oh, tous accords sont montés. Nous sommes esprit un. Hein? Amen. Pendant que nous avons un corps, l'âme et l'esprit. Héros, aujourd'hui, le diable a sali que l'homme a une concentration totale dans la troisième partie. Ça, c'est corps. Mais côté esprit, âme, non. Le diable a mis tout en place pour que l'homme se concentre plus sur le corps et non sur son âme et son esprit. Or, donc, nous, esprit. Le plus important, c'est ton esprit. Amen. Pendant que c'est lui qui domine sur tous les autres. Amen. Yes. Yes, merci. Shabade keli abaya nassemble yambangolo yambangolo wana au nom de Jésus. Version de Passion Translation Mandeko eloko nazolo baiza mutu ya naza mutu netio naza teke naza 100% parfait mais dernier moment na ngazo interrogenga bo et sali émission sous leur grandeur ba prix tango a koti kote wana atuninga est-ce que vous en avez prix. C'est exact, naïbite, mais na bandi kolela, parce que ozongi na makanisi. Amen. Ozo mona ba pri. Ke oza elobite ke mash oyo esa coûte. Yes. Ça te coûte. J'étais interviewé par l'un de mes enfants sur les secrets de la grandeur. Il m'a demandé, y a-t-il des prix à payer? Et lorsqu'il m'a posé cette question, je commençais à pleurer parce que je me suis souvenu des prix que j'ai payés pour arriver où je suis. Tu es innocent. Parfois, tu entends des faussetés en ton nom. Ça fait partie des prix de la grandeur. Mais pendant que tu es innocent, ça fait partie des prix pour la grandeur, des prix à payer. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Il y a des choses que tout le monde peut faire, mais sauf toi. Il faut l'amoka osambela. Ata olingite. Parce que ta vie est en danger. Même lorsque tu ne veux pas, parce que bon, nous en ali kama, c'est au sali amote. Ou tu ko lala ou to et le comment qu'on était là aussi au taliera maintenant on dit qu'on a après yoki mugongo na yezio ke téléma téléma tu venais okay.
à peine de dormir, mais le Saint-Esprit. Pendant que les autres dorment, toi tu es là en train de prier. Ils allaient. Parce que l'homme est esprit, âme et corps. Tout le temps, on a testé ça. L'homme est esprit, âme et corps. Voilà. Matthieu chapitre 4, verset 4, version de Passion Translation. Il a répondu, les Écritures disent, les Écritures disent, le pain seul ne satisfera pas. Le quoi? Le pain seul, seul ne satisfera pas. Mais la vraie vie se trouve dans chaque parole qui sort constamment de la bouche de Dieu. La vraie vie se trouve dans chaque parole qui sort constamment de la bouche de Dieu. La vraie vie se trouve dans, chaque parole qui sort constamment à tout moment de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. Amen. La vraie vie. Bon, moi, solo. C'est-à-dire, colère. Parce que là tout, ça les a rongé dans mon thème. Mais baza, il pas tendu, il pas tension, il pas tout, il pas saut, il pas les colons, il pas nassé. Yoso. Voilà pourquoi tu verras ces genres de personnes qui normalement devaient manquer de rien, ils sont malheureux. Il faut me poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? Il a tout. Azana yoso. Azana moisi qui toko. Azana mobile, azana bongo. Il a beaucoup d'argent. Azana moisi. Mais maladif. Mais ils sont malheureux. Hypertension, estomac, azolukapongi. Des maladies avec des noms compliqués. Parce que c'est pas la vraie vie ça. La vraie vie. Yangoana se trouve dans la parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment est-ce que les anama lobanyo se bimaka? Oyebi pourquoi? Nous sommes issus de la parole. Tout ont été créés par la parole Amen. De Dieu. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de connexion, communion, relation entre eux dans la parole, on peut vivre une vraie vie. Et cette parole que nous parlons, personnifiée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai fait constat moi-même. Dès que vie de prière ou qu'on communie en anglais et qui dit Nazala Kane Sengote, Ozo Nanyos, j'ai tout, mais Ozana, ok, Nazana Ame, Nazana Nyos, Nayeko, Fante, Nazo Pesso examen, Nazo Te Popat, Mosuva, Biazoa, Vanta, Vanta, Wana Isate, Tozo Tea, je me vote dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Nazana Ango, Orange, Nazana, Nazana Yonso, Ngamoko Nazaboga, Zamoisi Kitoko. Mais toutes ces choses que nous avons dit, mais ils ont malheureux pour une vie de communion. Yes. Ces choses-là, c'est mystérieux. Amen. Je fais un constat que Dieu m'a béni, j'ai plusieurs choses, mais lorsque ma vie, ma relation avec Dieu baisse, je constate que je suis malheureux. Parce qu'il est tout pour nous. Amen. Il est notre père. Il est notre joie. Il est la vie. Hallelujah. Alléluia. Amen. Yes. So baneko. Voilà pourquoi bien aimé. Alors, ce que moni. Dit, si tu vois. Faites quelque chose. Amen. Na sepelina. Est-ce que vous comptez à Ponangaï? Vraie vie. Vraie vie. So il y a vie, il y a vraie vie. Bon moi, ça. Bon moi, il y a solo, solo, pensa, Isaïe.
Oh man Dieu, ma roche ke pelia mahaya tabaya. Amen. Yango moni batu bazolukango na masanga. Bazolukango ko sote mwa se ko change. Bazolukango na makambele kolata. Bazolukango ko change ban bazol me okomona ezo simba kaka te parce que c'est lui Jésus qui Amen. Est la vie. Voilà. So okoki ko remplacer et na ba matériel na ba biloko na bongo na nyoso. Les gens aujourd'hui sont en train de chercher la vraie vie par les voitures, par les femmes, par l'argent. Non! Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Oh, on change comment on a gagné les autres. À tous sombi les singo kaka les oh. Na wote kosomba mutuka. Oh, bravo mutuka kitoko infestation. Dès que itamboli nango une semaine, deux semaines. Et si li. Au message namo. Au message. Ozoluka loko. Oh, ba kusala kaka boye parce que il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Amen. Et c'est la vie. Et Amen. Cette vie que nous parlons, c'est qui? C'est Jésus. Christ. Yes. Tu peux changer de Rolls Royce, tu vas à Ferrari, tu peux avoir de maison, mais ce serait pour un temps éphémère. Ce qui te manque, bien aimé, dans ton cœur, c'est Jésus Christ. Le prince de paix. Il est notre paix. Alors, je suis la vie, alors, la vérité, le chemin. Benzela. C'est lui le chemin. Yene, zela. C'est lui la vie. Yene, il est tout. Azanyoso. Je suis ton Dieu qui te guérit. C'est lui notre guérisseur. Yene, il est tout pour nous. Azanyoso pour nabiso. Voilà. Matthieu chapitre 4, verset 4, version Passion Translation. Version quoi? The Passion Translation. Passion Translation. Nazanango. Alléluia. Amen. Mm. Il a répondu, les Écritures disent, le pain seul ne satisfera pas, mais la vraie vie se trouve dans chaque parole qui sort constamment de la bouche de Dieu. Alléluia. La vraie vie. Bon, moi, se trouve Ezali. Dans chaque parole. So, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut te coter dans la parole pour te voir vraie vie. Nous devons nous enfoncer dans la parole de Dieu pour avoir la vraie vie. C'est vrai. Comme sa vie spirituelle, Nayo. Ainsi, nos vies spirituelles ne mourront point. La nourriture d'un homme spirituel, c'est la parole. Solution, il n'y a pas d'autre solution. Et dans sa parole se trouve l'augmentation de ta foi. Dans sa parole se trouve, dans sa parole et communion dans sa parole se trouve aussi l'augmentation de ton amour pour lui. Amen. C'est ça, c'est la vérité. Ezali solo. Obi kabasi mususu. Nazo pesa exemple. Ce que vous avez mobile au yebi koloba, au gagner mutema amwasi. Pour certaines femmes, quand tu sais parler, tu as la rhétorique, tu peux gagner son cœur. Surtout natango tozo kola to yebi toke na dictionnaire tozo lukaba mo. Na la rousse, il faut na ko draguer mwana mwasi. Pour draguer une fille. Pour tango azolo baboye pour atomba albay. Lorsque tu parles, que son cœur vienne à toi. Aux expression idiomatique, des expressions qui touchent les cœurs. Oui, qui touchent les cœurs. Yes. Voilà. Dengi moko. La même façon. Dans sa parole se trouve la foi. L'augmentation de ta foi. Et aussi l'augmentation de ton amour pour lui. Il l'aurait pu matabolir en ayant pour naïe sous Christ. Comme on a envie, tu sais que tu es le soleil de ma vie. Tu es le sucre de mon thé. Sans toi, en tout cas, nous sommes comme ça, Apollo, loin. Tu cherches des mots puissants. Elle aussi, son cœur bondit. Alléluia. Amen. Azan est le côté. Les frères n'ont rien. Mais n'a parole. Malo bébélé. Malo bébélé. Il y a des filles aiment les garçons qui savent parler. Elle est partie apporter. Sobaneko. Bien aimé. Ngonga oyo esengeli to sala nini? Auto critique. En ces temps-ci, nous devons nous auto critiquer. Auto examination. Nous devons nous auto examiner. Au
interroger chaque jour. Nous devons nous interroger chaque jour. Parce que les jours sont mauvais. Puisque lorsque le Christ viendra qui te trouve dans la foi, mon temps est parti. Mais j'espère que vous êtes béni. Psychosali. Là où tu es. Nalingi. Aux jeunes de pendant quelques minutes. Que tu nous joignes pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu. Zembo oyoza au fait. Révélatrice pour nangai. Cette chanson est une révélation pour moi. Surtout à ce temps ici. Ming na tango tozali. Que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner la mort, il est venu pour nous donner la vie. Yes, et sa vie se trouve dans sa parole. Yes, sa liwate kasi bomoi oza na kati liloba na ye moko. Balobi aye kopesa biso bomoi. Il est venu nous donner la vie. Soki nazo ye mango nazo tala ce qui se passe dans le monde et l'elisaka ngai. Lorsque je chante cette chanson et je vois ce qui passe dans le monde, tu n'as pas besoin de exagérer, extrapoler, c'est clair. Il a bien dit, c'est le diable qui est venu voler, détruire et tuer. Alors bien, on pense à Malamo. Ils ont certainement accueilli beaucoup de personnes pour moment. Ils ont soit au sol à l'élo, ils ont qu'à pouba tuer belé bakufa. Le diable a un but de tuer. Quelques mois passés ici, tala batu boni bakufi na mokili. Imagine combien les gens sont morts. Est-ce que tu confonds la misouté? Pouvons-nous pas nous éveiller? Toujours un accomplissement de la parole. Nous voyons la parole de Dieu qui s'accomplit clairement sous nos yeux. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awa nase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kisi. Hallelujah. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awa nase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kisi. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awa nase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kisi. Yema Yesu aye.
Père, nous t'adorons. Tu es venu nous donner la vie. Tu n'es pas venu donner la mort. C'est ainsi que tu pries les breuvages. Tu pries le pain. Un breuvage qu'un chrétien peut prendre. Na lingala, il est écrit ozui breuvage, ozui kwanga. Bibiye lobi na Bongo pesi bango. Tu as béni et tu leur as donné. Tango pesi bango. Quand tu leur as donné. Olobi oyo ezan zoto nangai, oyo ezan makila nangai. Tu as dit que ceci est mon sang, ceci est ma chair. Olobi teke oyo ezan lokola. Tu n'as pas dit que c'est sang. Olobi oyo ezan zoto nangai. Tu as dit que c'est vraiment oyo ezan makila nangai. C'est vraiment mon sang. La nouvelle alliance dans mon sang. Oyo kaniasika nakati. Oyo kaniasika nakati ya makila nanga. Amen. Après lobi fait ceci à mes mémoires. Après tu as dit bon ça la bopo na kokanisa kangai. Yango tozo sala na pokwa lelo. C'est ainsi que nous le faisons ce vendredi. Communion ya nzoto na yo na makila na yo et to déclarer et pambolami. Nous élevons la communion de ton sang et ta chair et nous le bénissons. Olobi, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. Olobi, oye lié nzoto na ngato même makila na ngato ya na bomo ite katina. Bisika bozo la nanga na ndaku na déclarer communion ya butu ya lelo vendredi culte oyo et pambolami. Je déclare ta communion de ce soir est béni. Et za sanctifié. Et les sanctifié. Et za béni. Et béni. Selon lui-même a dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. C'est-à-dire, celui qui mange et qui boit a la vie. La communion, on a déclaré, reçoit la vie. Reçoit la vie. Reçoit sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque là où il y a la vie, tout ce qui conduit à la mort ne peut pas résider là-bas. Maladie conduit à la mort finalement. Parce que bon moi ils en a quatre na yo. Puisqu'il y a la vie, est tangama maladie. Tout ce qui est maladie. Na laquelle en gomade. Je les maudis. Et disparaître son trace. Et cela disparaît. Parce que la lumière et le ténèbre ne peut pas résider dans un même lieu. La vie et la mort ne peuvent pas résider dans ce même lieu. Nous sommes dans ton corps. Qui amène à la mort. Na bengani yango. Je le décapite. Na déraciné. Je le déracine. Na nzela ya communion yo. Par cette communion. Na koti bremo ina kati na yo. Et na déclaré au pique sami au kangola. Je déclare tu es béni. Reçois la vie. Reçois la vie. Yamba. Au nom de Jésus. Surtout ta vie spirituelle. Mingi, na déclaré reçois la vie. Yamba. Na kombo na Yesu Masia. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus Christ. De Nazareth, to Sambeli. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oublie pas, Kalamingite, bientôt, nous reprenons les cultes. Et Nalobi, chaque dimanche, nous avons deux cultes. Dimanche, nous avons deux cultes. Premier culte à 6 heures du matin. 6 heures. Jusqu'à 8h30. Et deuxième culte à 9h du matin. 9h jusqu'à 11h30. Mercredi, toujours à 10h. Mais culte moko. Vendredi, na poko à 17h. Nous avons deux cultes aussi. Pourquoi? Pour respecter la distanciation. Premier culte à 16h30. Ti na 18h. Jusqu'à 18h. Mususu 18h30 na 20h. Et le second culte de vendredi de 18h30 à 20h.
songanga ko transmet message surtout pona ba mama na biso mikolo we bakina musalate tozo senga yo oya na cute ya 16h30 batu bake musala baya na cute ya 18h30. C'est ainsi qu'il faut répondre à nos bien-aimés que nous avons deux cultes le vendredi et le dimanche. Et n'oublie pas quand tu viens, on respecte la barrière nyonso. On respecte la mesure barrière. La mesure barrière nyonso. Cache-né na yo. Voilà. Na yo na ainsi de suite. Pour na batu oyo batindaka. Semence kouta libanda ya mboka ba dimba action de grâce tout ça offrande s'il vous plaît tozolo bake combo échangé ezali soute papa Fulgence Ndula azana biso mais il est très fort yango ana to pesi bino combo mususu oyoboko ba otinda eza Mudiai Shibala Claude Mudiai Shibala Claude Mudiai Shibala Claude. Désormais envoyé des semences par le nom Mudiai Shibala Claude. Eko koma na écran wana na komo na ende boko tinda yonso parce que ce que otini na kombo a papa Fulgence il est en repos na minute oyo tozoloba moi akende ezate que Dieu vous bénisse pour la bonne compréhension. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi. Bonjour papa, Nzambe adayo Samuel, merci. Na oya sali kati na ngai, nazalaki na problème à régler 3 mois na régler kité. Na landi prière ya le 24 mai. Oyo sala kezaki dimanche na landaki prière wana na bosindo nzambe na ngai ko sala lendi na eko mona na rêve yango na eko kumisa nzambe lola nzambe adadi ya dadi nzambe adayo Samuel papa na pesi yo merci na balo sambo ozali ko sala kati na biso merci na o nzambe na yo asali kati na nga azwa lokumu azwa kembo yango na pesi yo merci nzambe akoba na kobatela yo na libota na yo akoba na kosala ya minene kati na yo na kombo na Yesu merci papa na kombo na Yesu amen. Petela Yesu maboko makasi. Tikana prophétiser na vina. Na sapela na boya. Bista balinda bazokufa okufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama ko poma yote. Ya ye. Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie, tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable, na commission invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenyewani.